Les aventures d'Albert et Folio. Chez le vétérinaire. Le matin, Folio fait souvent des bêtises. Elle amuse ses maîtres, Jules et Alice. J'adore sauter partout dans la chambre. Le matin, Albert court dans tous les sens. Il attend Jules pour aller faire pipi au parc. J'adore courir dans l'herbe avec Jules. Folio garde l'appartement. Elle ne sort pas, car elle doit tout surveiller. Mais il y a un problème. Folio est inquiète. Elle est bizarre, cette grosse boîte. Folio n'a pas beaucoup de mémoire, mais elle sent une odeur qu'elle connaît dans la boîte. Mais c'est mon odeur? J'ai déjà vu cette boîte. Mais quand? Tout à coup, Jules attrape Folio et la met dans la boîte. Miaou! 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 Mais qu'est-ce qu'il fait? Au secours! Albert est content. Aujourd'hui, c'est super. Folio et Alice sortent avec nous. Dans la boîte, Folio est en colère. Elle ne veut pas aller dehors. Il y a beaucoup de bruit dans la rue et je dois garder l'appartement. Vlan, vlan, vlan. La boîte bouge dans tous les sens. Folio se cogne la tête. Et elle a mal au cœur. Mais où vont-ils? Je veux sortir. Albert est heureux de marcher dans la rue avec Folio, Jules et Alice. Dans la rue, il y a plein de bonnes odeurs. Mais c'est étrange. Aujourd'hui, on ne va pas au parc. Folio n'est pas contente d'être dans la rue avec Albert, Jules et Alice. Ça sent mauvais et les grosses voitures sont dangereuses. Les pompiers passent dans la rue à toute vitesse. Et Folio n'a jamais vu de camion de pompiers. Oh, il fait mal aux oreilles ce gros camion rouge. Albert aime sentir le pipi de chien sur les arbres. Folio est choqué. Oh, il est dégoûtant! Il met son gros nez dans le pipi! Jules et Alice s'arrêtent devant une porte. Albert est surpris. C'est bizarre ici. Ça sent le chat et le chien. Mais il y a aussi des odeurs que je ne connais pas. Folio et Albert sont terrorisés. Miaou! Miaou! Je veux rentrer à la maison! Au secours! C'est un monstre! Il va nous attaquer! Albert est impressionné par le gros chien et le perroquet lui fait un peu peur aussi. C'est dangereux ici. Je vais me cacher sous une chaise. Dans sa boîte, Folio est en sécurité. Personne ne peut m'embêter. Et en plus, je peux observer tranquillement tous les animaux. Folio est surprise. Il est bizarre, ce chat. Il ressemble à quelqu'un que je connais. Mais qui? Albert est surpris. Il est bizarre, ce chien. Il a de grandes pattes, mais il n'a pas l'air méchant. Le perroquet a de très jolies couleurs. Et il parle beaucoup avec son bec pointu. Je m'appelle Ringo et je suis rigolo.
Albert veut lui dire bonjour, mais Ringo a très peur. Au secours! Au secours! Il est fou, ce chien! Albert est tout surpris. Oh, oh, mais qu'est-ce qui se passe? Il est fou, cet oiseau! Pauvre Albert! Difficile pour un chien de devenir ami avec un perroquet. Le vétérinaire ouvre la porte de la salle d'attente. C'est un très grand bonhomme. Bonjour, c'est au tour d'Albert et Folio. Albert n'a pas envie d'entrer. Mais qui est-ce? Il me fait peur, ce géant. Folio sort de sa boîte et saute partout. Enfin libre! Le vétérinaire dit en souriant: vos animaux ont l'air en pleine forme. Alice répond en souriant aussi: oh oui, ils sont en forme! Ils font beaucoup de bêtises! Nous venons pour leur vaccin. Le vétérinaire s'approche doucement de Folio. Viens me faire un câlin. Tu es une gentille princesse. Folio aime la douce voix du vétérinaire et elle adore les câlins. Folio est bien sur les genoux du vétérinaire. Elle le trouve gentil. Mais Albert a très peur pour sa grande copine. Au secours! Attention, Folio, il va te faire très mal! D'un bond, Albert saute sur les genoux du vétérinaire. Attention! J'ai raté le vaccin. Folio a eu très peur, mais le vétérinaire la caresse doucement pour la rassurer. Jules tient Albert en laisse. Le chien ferme les yeux quand le vétérinaire fait la piqûre à Folio. Quand Albert rouvre les yeux, il est impressionné. Folio n'a pas eu mal du tout. Elle est vraiment très courageuse. Albert veut être courageux comme Folio. Quand le vétérinaire fait la piqûre, Albert ferme les yeux et pense à autre chose. Son activité préférée, manger. Quand il rouvre les yeux, c'est fini. Les vaccins, ça fait pas mal du tout. Et c'est bon pour notre santé. Le vétérinaire est content. Tout s'est bien passé. Le vaccin donne envie de dormir. C'est normal. Demain, ils seront en pleine forme. Pour l'instant, Albert a surtout très faim. Avant de partir, Folio regarde l'autre chat. Tu as l'air si gentil. J'espère te revoir un jour. Avant de partir, Albert veut sentir le nez du grand chien. Tu as l'air gentil. J'espère te revoir un jour. Mais Alice tire sur la laisse pour partir. Albert est content de sa sortie, mais il a un peu sommeil. J'ai vu plein de choses. Et ça change du parc. Folio a envie de rentrer à la maison. Elle a très sommeil. J'ai vu plein de choses. Mais il faut surveiller l'appartement. Albert et Folio sont heureux. Folio rêve de Ringo, le perroquet. C'est super d'avoir des ailes. On peut s'envoler très haut pour faire des bêtises. Albert rêve du grand chien. C'est super d'avoir des grandes pattes. On peut monter sur la table pour attraper à manger.